Bonjour à tous. Le cours d'aujourd'hui porte sur les fichiers, la manipulation des fichiers en Python. C'est un cours qui comporte assez peu d'enjeux algorithmiques, hein, ça c'est clair. Par contre, on est dans des techniques qu'il faut savoir manipuler, c'est des outils. Hein, c'est des outils, il faut savoir faire, même si encore une fois il n'y a pas forcément d'enjeux, disons, extrêmement palpitants. C'est quelque chose qui sert assez souvent. Dès que vous allez avoir besoin de manipuler des données, hein, vous allez devoir, dans votre programme, devoir charger ces données dans une liste, par exemple, en Python, quelque chose de ce genre. Donc il faut savoir le faire. Donc il faut que vous l'ayez vu, il faut que vous ayez en tête quelques idées. Et puis, bon, après, dans le pire des cas, vous allez sur Internet pour compléter si vous avez oublié quelque chose. Mais il faut au moins avoir les bases, disons, de la manipulation des fichiers en Python. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fichier? Donc, très rapidement, avant de passer tout de suite au code, je rappelle que donc les données que vous manipulez, donc quelles qu'elles soient hein, aujourd'hui, donc des images, des vidéos, des textes, hein, des documents, PDF, tout ce que vous voulez, ce sont des fichiers. Et que pour ce qui vous intéresse, vous, donc on parle ici de manipulations qui se font quand même toujours au sein d'un système d'exploitation. Donc, de votre point de vue à vous, on n'a qu'à dire que donc on a des données qui sont rangées de manière contiguë quelque part. Hein, c'est pas forcément vrai. Hein, le système de fichiers de chaque périphérique, clé USB ou autre, n'est pas forcément, ne respecte pas forcément ce principe, même très loin de là, hein, pour des raisons d'optimisation. Mais le système d'exploitation s'interposera toujours entre ces données physiques hein, sur une clé USB et sur vous, de telle sorte que pour vous, un fichier, ce sera un paquet d'informations rangées de manière contiguë. En tout cas, vous allez y accéder de cette manière-là. Très rapidement, ce que je préciserai avant de commencer, c'est la distinction entre deux sortes de fichiers de manière générale, hein, pas seulement en Python. Globalement, on va faire une différence entre des fichiers binaires et des fichiers texte. C'est une différence plus formelle qu'autre chose, parce que dans la pratique, il n'y a aucune différence. Hein, on n'a que des suites d'octets hein, les uns après les autres. Un point, c'est tout. Simplement, dans l'usage, hein, dans le type de manipulation auquel on a affaire, en général, on va distinguer deux sortes de fichiers. Alors, les fichiers binaires, ce sont des fichiers qui, on n'a qu'à dire, ne peuvent pas être lus par un œil humain. Ce sont des informations purement numériques qui se succèdent les unes après les autres. Et le plus souvent, bon, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir un octet qui contient une valeur, je ne sais pas, 56, qui sera suivi d'un autre octet, valeur 42, etc. Quel exemple est-ce qu'on peut donner de ces fichiers-là? En fait, la quasi-totalité des fichiers que vous manipulez sont très certainement des fichiers binaires. Une photographie, très très souvent, c'est cela. Donc il y a des tonnes d'informations dans un fichier, par exemple de type JPEG, pour prendre l'un des formats les plus connus, mais ces données ne sont pas du tout faites pour être lues par un œil humain. Les morceaux de musique que vous écoutez, les vidéos bien évidemment, mais en fait même ce que vous appelez un texte quand vous pensez, donc quand vous prenez un traitement de texte et que vous tapez un document, même très simple, hein, sans aucun effet de gras, d'italique, etc., en général c'est aussi un fichier binaire. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un fichier d'ailleurs en général assez gros, même si votre page est vide ou qu'elle ne contient que quelques mots. Bon, en fait, même si vous avez juste tapé une phrase en français, très très souvent il va y avoir un nombre incroyable de métadonnées hein, ou de données de formatage qui vont constituer le plus gros du fichier et qui seront codés de manière binaire, hein, donc de manière qui n'a pas à être regardée par un être humain et qui est traitée simplement par un système informatique. Qu'est-ce que c'est qu'un fichier texte? Alors, c'est pas forcément un fichier qui contient des données textuelles, même si c'est souvent le cas. C'est un fichier qui est conçu pour être manipulé d'une autre manière. Il est conçu pour être manipulé en tant que suite de symboles alphanumériques, donc des lettres et des chiffres. Ça veut dire qu'un œil humain peut voir. Ce n'est pas forcément toujours parlant pour lui, mais enfin, s'il fait l'effort, il pourra lire ce qui est écrit et le comprendre.
Et on a une organisation qui est une organisation par ligne. Hein. Un fichier texte, c'est une suite de lignes de taille inégale qui comporte des symboles en général alpha numériques, et qu'encore une fois, un œil humain peut lire. Qu'est-ce que vous connaissez comme exemple de ce type? En fait, pas forcément beaucoup. Le premier exemple auquel je pourrais penser, c'est du code Python. Du code Python, c'est l'exemple même d'un fichier de type texte. Des lignes de code qui se succèdent. Il est fort probable que vous n'avez pas beaucoup manipulé de fichiers contenant du texte au sens humain du terme, stockés de cette nature-là. Hein. Peut-être que certains d'entre vous ont rencontré le format TXT. C'est un format brut dans lequel on enregistre juste du texte. On ne peut évidemment pas le formater en gras, en italique ou en couleur parce qu'il comporte juste du texte, donc juste une succession de caractères alphanumériques sous la forme de lignes que vous appelez vous des paragraphes. Sinon, on peut tout imaginer. Hein. Il existe par exemple, il existe des formats d'images qui sont des formats d'images texte. C'est-à-dire qu'en fait, votre image est stockée de cette manière-là. Ce sont des fichiers, ce sont des formats extrêmement peu optimaux en termes de place et de vitesse, vous vous en doutez, hein, puisque ça va prendre beaucoup de place de décrire chaque pixel de manière textuelle. Mais ce sont des formats qui présentent éventuellement des avantages ponctuels. Et ça existe. Hein, ça existe. Donc, quand je parle d'un fichier binaire ou d'un fichier texte, je ne fais pas allusion ici à la nature de ce qu'ils contiennent, mais à la manière dont c'est stocké, surtout de la manière dont il est prévu, hein, qu'on manipule les données. On va surtout aujourd'hui s'intéresser, nous, à des fichiers de type texte, puisque ce sera le plus simple à manipuler. Et alors, en fait, même si ce n'est pas les plus courants dans votre pratique des outils numériques à vous, en tant qu'ingénieur, il est capital que vous sachiez manipuler des fichiers de données, qui assez fréquemment seront des fichiers de cette nature-là. Hein. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partir d'un format, qui est un format qu'il faut absolument connaître, et qui est un format de données scientifiques ou administratives, et qui est le format CSV. Hein. CSV, alors je vais, bon, vous avez peut-être assez vu ma tête pour aujourd'hui. On va passer à l'important, c'est le code. Le format CSV, c'est un format que vous avez peut-être déjà rencontré. Peut-être que vous l'associez plus ou moins à raison ou à tort, hein, j'en sais rien, à un outil qui est le tableur. C'est possible parce que s'il vous est arrivé d'ouvrir un fichier CSV, c'est très probablement un outil de type tableur qui l'a fait. C'est en même temps dommage parce qu'en fait, ça n'a pas grand-chose à voir par bien des côtés. Le format CSV, c'est un format de stockage de données sous une forme de texte. C'est-à-dire qu'en fait, les données sont stockées de manière lisible par un œil humain. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez des données numériques, elles vont en général être notées en base 10 avec cet alphabet que vous connaissez qui est constitué des 10 chiffres, hein, qui vont de 0 à 9. Et ces données sont séparées. Alors par un caractère qui joue un rôle de séparateur qui peut varier. Étymologiquement, CSV, ça veut dire comma separated values, donc des valeurs, hein, des données séparées par des virgules. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, envisager une liste de notes d'élèves, hein, de notes d'élèves qui seraient stockées de la manière suivante. Alors, on peut imaginer un élève qui s'appelle, je sais pas, je prends mon nom, hein, Thomas. Je mets une virgule et je mets des notes quelles qu'elles soient. Alors maintenant que j'ai mis mon nom, j'allais avoir un petit peu, ça me fera mal au cœur de mettre des mauvaises notes. Alors, on va prendre un autre nom. Alors, je vais prendre dans l'ordre alphabétique un A, par exemple Alfred. Alors Alfred, virgule, on va lui mettre un 12. Hein, ça fait beaucoup moins mal au cœur de mettre ça. Un 18 quand même, soyons gentils. Et un 9. Bon voilà. Je peux prendre un deuxième élève, suivant l'ordre alphabétique. Je vais prendre Bertrand, hein, avec un B. Et je vais mettre un 9, un 11 et un 17. On n'a qu'à mettre une virgule. Bien sûr, quand je dis une virgule, 17 et demi, vous savez bien que je parle d'un point ici, parce que si j'utilise la virgule comme séparateur et la virgule pour marquer, hein, la virgule comme dans l'écriture française des nombres décimaux, on ne s'y retrouvera pas. Hein. Je suis ici l'usage informatique et l'usage anglo-saxon.
Et bon, ce que vous voyez ici, c'est qu'il n'y a pas de réelle homogénéité dans la taille des lignes. Hein. Le nom d'Alfred et de Bertrand ne fait pas la même taille. Et les notes ne suivent pas non plus un format imposé qui serait par exemple de mettre deux chiffres à tout prix, hein, en mettant 0,9 à la place de 9. Non, le format CSV est relativement libre de ce point de vue-là. De même, il est relativement libre quant à la nature du séparateur. Hein. Autrefois, le séparateur d'origine, c'était la virgule, mais en fait, les tableurs essayant coûte que coûte de suivre l'usage local, c'est-à-dire qu'en fait, les tableurs en France, quand ils sont programmés pour avoir une interface en français, utilisent la virgule dans les nombres. Hein, donc là, on ne s'y retrouve plus du tout, du tout. Ce qui fait que, comme il y a des tas et des tas de fichiers de nature française où il y a des virgules qui servent à ça, l'usage prépondérant aujourd'hui, c'est d'utiliser le point-virgule comme séparateur, hein, ce qui permet de limiter davantage les dégâts. Mais on peut trouver toutes sortes de choses, hein. On peut trouver par exemple la tabulation, qui est un caractère que je ne pourrais pas vraiment vous montrer à l'écran parce que ça ne se voit pas, mais c'est une sorte d'espace. On peut voir parfois la barre verticale, hein, qui est employée comme séparateur. Bon, il n'y a pas de règle, en fait, le format CSV est libre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez du moment que que le destinataire de votre donnée ait bien compris, hein, quel est le séparateur que vous allez utiliser. Ça n'est un problème ni pour les tableurs qui, en général, vous demanderont quel est le séparateur utilisé à l'ouverture d'un fichier, ni pour la manipulation en Python que nous allons faire aujourd'hui, où pareil, hein, le séparateur, c'est le programmeur qui va le gérer. Comme exemple de données, je vous propose de prendre des données qui sont les données du site Météo France, qui sont les données Sinop. Alors, Météo France rend public ces données. Donc, ce sont des données automatiques. Elles sont prises par les différentes stations de Météo France toutes les 3 heures. Et elles sont enregistrées dans un format, hein, qui, vous le voyez, est le format alphanumérique dont je vous parlais. Hein. Ici, c'est même un sous-ensemble de ce qu'on peut appeler les caractères alphanumériques. Ce sont les caractères ASCII qui sont utilisés ici, donc exclusivement des lettres sans accent, majuscules et minuscules, et puis des chiffres, évidemment, surtout des chiffres, et puis un séparateur, je ne sais plus ce que c'est, on va regarder d'ailleurs, c'est sans doute une virgule ou plus probablement encore un point-virgule. Alors, ces données sont téléchargeables. J'ai choisi la date d'hier. Hein. J'ai choisi la date d'hier. Je l'ai téléchargée avant le début de cet enregistrement, donc le 31 mars 2020. Le format, ben, donc ça n'est pas visible ici. Le format qui a été utilisé, je peux vous le montrer lors de l'enregistrement. C'est bien le format CSV, puisque voilà, donc le fichier sinop.2020.03.31. Alors 06, je ne sais pas pourquoi, oui 06, je crois que ça caractérise le décalage horaire ou quelque chose comme ça, a été utilisé, surtout le suffixe CSV. C'est le format dont je vous parle. Alors, c'est un format texte. Dans la mesure où c'est un format texte, je peux voir son contenu avec un éditeur de texte. Ce que vous avez sous les yeux en haut de l'écran, c'est un éditeur de texte. C'est avec cet outil-là que je vais taper mon code Python, puisque Python, c'est du code, c'est du texte. Et c'est avec ce même outil, je peux sans le moindre problème vous montrer le contenu d'un fichier CSV, puisque c'est du texte. Hein. Alors, vous voyez que bon, la première ligne est une ligne d'en-tête. C'est fréquemment le cas, c'est pas obligatoire. Elle pourra par exemple prendre la forme je dirais, de nom de colonne si vous voulez l'ouvrir avec un tableur. Alors, j'aurais pu faire la manipulation d'ailleurs de l'ouvrir avec un tableur. Le problème, c'est que comme j'ai défini une zone dans mon écran pour l'enregistrement, j'ai peur que ça ne soit pas forcément très, très probant. Tant pis, on va laisser tomber la partie tableur. Mais ce que vous pouvez voir, c'est donc la succession des lignes. Hein, elles sont numérotées à gauche, ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, etc. Alors, vous voyez, je prends la deuxième ligne, qui est la première ligne contenant des données. Vous voyez que vous avez des données qui sont séparées. Donc ici, c'est bien le point-virgule qui a été employé.
Et vous voyez qu'elles sont toutes stockées sous une forme décimale, c'est-à-dire une forme très très peu optimale, hein, parce que vous vous rendez compte que, par exemple, ce nombre-là, c'est probablement une température en Kelvin, je suppose, ce nombre-là, vous voyez qu'il est stocké. Alors bon, c'est assez lourd, parce que vous voyez ici, bon, encore que c'est vrai qu'un flottant, bon, ça prendra quand même 8 octets, mais là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, 10 octets. En fait, avec un type double précision comme celui que je vous ai présenté il y a 15 jours, ça aurait fait simplement 8 octets. Et puis, vous voyez que ici, le nombre 90, il est stocké sur 2 octets, alors que 1 octet, je le rappelle, peut stocker des nombres qui vont de 0 à 255. Donc le but du format CSV n'est très certainement pas l'optimisation du stockage. Hein, son but, c'est la souplesse de l'utilisation. Bon, vous avez des données manquantes, hein, ici. MQ veut dire manquant. Bon, ces stations prennent des données de manière automatique, mais certaines stations moins utilisées que d'autres ne prennent pas forcément toutes les mesures. Il y a des mesures extrêmement particulières. Par contre, bon, vous voyez qu'il y a des mesures principales, type température ou taux d'humidité, je suppose, hein, il y a ce genre de choses, qui a une signification ici, hein. On s'intéressera par exemple à la température, parce que c'est sans doute ce qu'il y a de plus clair pour nous tout à l'heure. Le numéro de la station apparaît à gauche. Ah, j'aurais pu peut-être regarder si je pouvais trouver le numéro de la station correspondant à Brest. J'essaierai de le faire rapidement, sans interrompre l'enregistrement tout à l'heure. Voilà à quoi ressemble un fichier CSV. Et donc, on va. Alors, comme ce sont des données numériques, évidemment, il est intéressant de se dire qu'en Python, on peut récupérer ces données et les manipuler de manière numérique, comme vous aurez peut-être à le faire dans le cadre d'un TIPE, par exemple, ou comme il peut vous arriver peut-être de le faire à la suite d'un travail en physique ou en SI, en sachant que les appareils de mesure que vous utilisez dans les laboratoires de SI et de physique, très très souvent, on a la capacité d'exporter les mesures au format CSV, là encore. Le cours aujourd'hui porte sur la manière dont on peut, en Python, accéder à ces données et les manipuler. Et encore une fois, je vais partir du principe à partir de maintenant qu'on est sur des données de type texte, comme ce que vous aviez sous les yeux il y a un instant. Alors, comment est-ce qu'on fait? Là, base. La première chose à faire, c'est d'être capable de localiser votre fichier et de connaître son nom, bien sûr, son nom et son emplacement, pour pouvoir le manipuler, hein, bien sûr. Alors, il y a plusieurs approches. Bon, il se trouve que l'éditeur que j'ai sous les yeux, je l'ai réglé pour qu'il travaille dans le dossier, qui est le dossier téléchargement, où se trouve justement ce fichier. Donc ici, ce que je peux faire, en fait, c'est juste mettre le nom du fichier. Donc là, c'est bon. C'est bon, mais c'est bon uniquement parce que, encore une fois, j'avais pris la précaution de. Alors, surtout, à la limite, ce n'est pas vraiment l'éditeur. C'est surtout que quand je vais exécuter le programme, je vais le faire depuis le dossier téléchargement. Donc là, je peux désigner le nom de ce fichier de cette manière-là. Mais bon, vous utilisez-vous de votre côté souvent des environnements graphiques plus complexes comme Spider, et vous n'avez pas toujours une idée très très claire de l'endroit où Spider va aller chercher les données quand vous allez le lui demander. Donc, on va essayer de se situer dans un cadre plus général. Encore que, il me semble que par défaut, Spider exécute le programme Python en commençant d'abord par se positionner dans le dossier où se trouve le programme. Ça veut dire très concrètement que si vous mettez vos fichiers de données dans le même dossier que votre programme, très très souvent, vous allez pouvoir écrire exactement ce que je viens d'écrire ici sous vos yeux. Je peux peut-être faire un premier test comme ça, et ensuite je passerai au cas plus général après. Alors, bon, vous allez, alors je peux mettre par exemple fichier fname, tiens, file name, hein, nom du fichier fname égale
etc. Et puis donc, à partir du moment où je pars du principe que il n'y aura pas de problème pour trouver le fichier parce que je vais exécuter ce programme en me situant dans le bon dossier, je peux ouvrir simplement le fichier de cette manière-là. Je vais écrire open et je vais mettre le nom du fichier. Pour l'instant, on va déjà faire comme ceci. On va vérifier que ça marche. Est-ce que j'aurai une erreur? Je ne me souviens plus si j'aurai une erreur, si je me suis trompé dans le nom de fichier. On va voir déjà ce que ça donne de cette manière-là. Bon, là, vous voyez qu'il n'y a pas eu d'erreur. Je vais quand même, par acquis de conscience, vérifier qu'il y aurait bien eu une erreur si je m'étais trompé dans le nom. Et voilà. Bon, vous voyez que si je me trompe d'une manière ou d'une autre dans le nom du fichier, il y a une erreur, hein? No such file or directory. Bon, je mets la bonne orthographe et vous voyez qu'il n'y a pas de nom d'erreur. C'est la preuve que l'interpréteur Python a ici trouvé le fichier à l'endroit, au bon endroit. Mais encore une fois, pourquoi au bon endroit? Parce que l'interpréteur se trouvait dans le bon dossier. Comme vous travaillez probablement d'une autre manière avec l'interpréteur, avec l'environnement de développement Spider, je vous propose un cas plus général. Vous devez en général impérativement connaître ce qu'on appelle le chemin d'accès à votre fichier. C'est quoi le chemin d'accès? C'est dans l'arborescence. Hein, le système d'exploitation va représenter, va permettre d'accéder au fichier sous la forme d'une arborescence que nous avons déjà évoqué en début d'année et que normalement vous devez connaître. Hein. Globalement, vous savez que les fichiers sont dans des dossiers, qui sont même dans des dossiers, qui sont même dans des dossiers, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on peut appeler la racine du système de fichiers. Alors, bon, le problème, c'est que ça n'est pas forcément totalement unifié d'un système d'exploitation à l'autre, et que donc je vais ici essayer de parler de manière suffisamment large pour les différents cas. Le chemin, je peux appeler ça fpath, hein, le nom du chemin. Alors, dans le cas de mon propre ordinateur, donc il se note comme ceci. Donc, je peux écrire home Thomas téléchargement. Donc là, j'ai le chemin, j'ai le nom du fichier. Donc, à la limite, ce que je pourrais faire ici, c'est quoi? C'est écrire. Je vais ouvrir. On va faire différemment. Je vais mettre nom complet est égal à fpath plus. Alors, je dois ajouter le séparateur, évidemment, ici, plus fname. Et je vous propose d'afficher. On va afficher le nom de ce. On va afficher donc le nom complet du fichier accompagné de son chemin, hein, complet. Je vais l'afficher en même temps que je vais l'ouvrir. Donc voilà une solution qui est plus générale, qui marchera quel que soit le dossier dans lequel travaille l'interpréteur au moment de l'exécution. Vous voyez que là, d'une part, le nom complet du fichier, le nom du fichier accompagné de son chemin complet a été affiché. Et vous voyez qu'il n'y a pas eu d'erreur au moment d'ouverture du fichier. Le fichier a bien été trouvé. Les systèmes de type macOS reposent sur le même type de système de fichier. Ça marchera pareil. Ça marchera pareil. Il faut juste que vous soyez, que vous connaissiez bien le chemin, hein, de votre dossier. Mais il se mettra de la même manière. Vous pouvez peut-être le trouver, je ne sais pas, hein, vous pouvez peut-être le trouver en cliquant sur le bouton droit d'un fichier et en tapant sur propriétés ou détails, je ne sais pas comment ça s'appelle, détails du fichier, propriétés du fichier. En règle générale, vous avez une fenêtre qui apparaît et qui comporte ce genre d'indication, hein, le chemin. Je ne sais pas comment ça sera appelé, peut-être que ça s'appellera dossier ou répertoire, ou je ne sais pas, mais il y aura quelque chose qui ressemblera à ça, c'est le chemin d'accès. Vous pensez bien à recopier ce chemin, à mettre une barre supplémentaire, hein, comme elle apparaît ici, tout en bas, hein, ici, et puis ensuite le nom du fichier à proprement parler. Bon, évidemment, vous essayez très fortement de vous obliger à n'utiliser dans les noms de vos dossiers et de vos fichiers rien de problématique. Ce que j'appelle problématique, c'est qu'évidemment, si vous commencez à mettre des guillemets dans votre nom de fichier, de votre nom de dossier, par exemple ici, ça va être vraiment problématique puisque j'utilise déjà le guillemet ici.
Ça pourra toujours, on pourra s'en sortir, bien sûr, mais n'essayez pas de compliquer les choses. Je vous demande de ne mettre ni de guillemets, ni d'apostrophe surtout, ni d'espace. Par habitude, essayez de ne pas mettre d'espace. Bon, ici, ce n'est pas moi qui ai créé ce dossier. Je n'aurais jamais, à titre personnel, mis d'accent dans un nom de dossier. Hein, je précise d'ailleurs que ce n'est pas mon propre ordinateur ici. Hein, je ne tolérerai pas ce genre de choses. Mais essayez de mettre les choses les plus simples possibles, toujours. Hein. Si vous êtes sous Windows, ça va se compliquer. Hein, pour plusieurs raisons. La première est technique, c'est que le séparateur de dossier est un caractère qui lui-même est problématique, hein, on va le voir, donc il va falloir gérer ça. La deuxième chose, c'est que l'usage sous Windows est de mettre aussi des espaces hein, dans certains noms de dossiers, comme mes documents par exemple. Et bon, c'est jamais c'est jamais bienvenu, hein, ce genre de choses. Mais voilà comment vous allez faire sous Windows. Donc je donne un exemple ici. En général, les chemins ressemblent à... Alors bon, je vais l'écrire déjà entre guillemets comme ça, mais ça ne va pas marcher. Ça ressemble souvent à quelque chose de ce type. Le séparateur est un backslash, c'est un anti-slash. Donc je ne connais pas par cœur le genre de choses. Hein, je crois qu'il y a quelque chose qui s'appelle users peut-être. Alors l'avantage, c'est que je crois que sous Windows, la CAS, c'est-à-dire le respect des majuscules et des minuscules, est facultatif. Ce qui n'est pas le cas sous les systèmes de type Unix comme Linux ou comme macOS. Donc si je tape users en minuscule ou en majuscule, je crois que sous Windows ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je n'en suis pas certain. Voilà, hein, donc on pourra avoir quelque chose de ce type sous... bon, j'invente, hein, j'invente quelque chose, je ne sais pas si ça correspond vraiment à la réalité, mais vous pourriez avoir quelque chose de ce type pour Windows, sauf que là ça ne marchera pas. Hein, ça ne marchera pas parce que le caractère backslash est un caractère qui a une signification particulière dans un code Python, lorsqu'il se trouve, enfin en général, et notamment donc lorsqu'il se trouve dans une chaîne de caractères. En effet, le caractère backslash sert à donner un sens au caractère suivant. Donc backslash grand U, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, l'interpréteur va essayer d'interpréter d'une certaine manière ces deux caractères backslash u. Et ça, on ne veut pas. On ne veut pas. Nous, on veut bien qu'ils comprennent qu'il y a deux caractères, qu'il y a le caractère backslash qui va jouer un rôle du point de vue du système de fichiers et la lettre u. Donc, ce qu'il faut faire pour forcer une chaîne de caractères en Python à comprendre que backslash est bien un backslash, c'est le redoubler. Vous voyez d'ailleurs que là, la couleur a changé. Mon éditeur de texte a compris que le double backslash était quelque chose de particulier. Et donc, il l'a coloré d'une manière différente. Quand je tape cela, je ne tape pas. Je vais saisir une chaîne de caractères qui ne comportera pas ici deux caractères, mais un seul. Hein. Backslash, backslash, c'est un code qui permet d'indiquer que je veux saisir un seul backslash. Le problème, c'est que je vais devoir le faire partout. C'est long et c'est source d'erreur. Donc, le moyen le plus simple de saisir correctement un chemin sous Windows, c'est d'utiliser une particularité dans la syntaxe en Python qui permet de saisir les chaînes de caractères. Vous avez la possibilité de mettre à gauche de votre caractère de votre délimiteur principal de chaîne de caractères. Ici, ce sont les guillemets. Vous savez que j'aurais aussi pu prendre une apostrophe. Hein. Ça n'a pas d'importance pour ce que je vais dire. Vous avez la possibilité de précéder le caractère d'ouverture hein, de votre chaîne de caractères de certains codes. Le plus utile pour nous ici, ça va être R. R veut dire raw. R-A-W, ce qui veut dire brut hein, en anglais. Lorsque je précède une chaîne de caractères de cette lettre R, j'indique à l'interpréteur que je veux qu'il saisisse de manière brute tous les caractères qui suivent, sans chercher à les interpréter, justement. Je vais désamorcer, hein, je vais désamorcer mon backslash en le forçant à être compris comme un caractère brut plutôt que comme un code. Donc sous Windows, c'est très utile. Sous les systèmes Unix, c'est un petit peu moins utile.
ici parce que enfin, ça peut être utile pour d'autres buts, bien sûr, mais pour le but des fichiers, c'est vrai que le problème ne se rencontre en général pas. Donc voilà, sous Windows, vous allez vous en sortir de cette manière-là. Et pareil, le chemin qui suit, comment est-ce que vous allez le trouver? Le plus simple pour vous, ce sera de cliquer sur le bouton droit de votre souris sur un fichier et d'afficher les propriétés ou les détails. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je sais que ça existe sous Windows, hein, puisqu'on le fait parfois en TD, qui vous donneront cette information-là. Vous n'oubliez pas d'ajouter un backslash pour séparer le chemin du nom du fichier et vous ajoutez bien sûr le nom du fichier. Enfin, non, d'ailleurs, si je voulais être cohérent par rapport à ma syntaxe de tout à l'heure, j'aurais dû laisser comme ça. Hein, voilà. Là, j'ai le chemin. Forme Unix, forme Windows, ici et ici. Alors évidemment, il faudra changer aussi à cet endroit-là, hein, parce que sous Windows, le séparateur ici, ce ne sera pas celui-là, ce sera le backslash à nouveau. Hein. Je ne pourrais pas vous faire d'exemple, hein, je n'ai pas d'ordinateur Windows ici, mais la plupart d'entre vous, très certainement, vous êtes dans ce cas-là. Donc vous pensez bien à faire cela. Et ici, vous pensez bien à ne pas écrire ça, parce que si vous écrivez ça, vous retombez dans le piège de tout à l'heure, vous aurez de toute façon une erreur de syntaxe, car il va bien voir que vous avez ouvert les guillemets ici, mais en fait, vous ne les fermez pas. Vous ne les fermez pas parce que backslash guillemets, ça va être compris d'une certaine manière. Et donc, si vous vouliez vraiment... Enfin, là, ce n'est pas fermé. Donc, ce que je peux faire, c'est par exemple ceci. Là, c'est bon. Soit j'écris ceci. Ça me permet de saisir à nouveau ce backslash, soit j'utilise la petite astuce de la lettre R. Bon, c'est à vous de voir, comme là on a un seul caractère, ça n'a pas beaucoup d'importance de faire un choix ou l'autre. Je vais revenir à ma propre syntaxe pour pouvoir travailler. Donc vous vous souvenez que là, nous avons l'accès au fichier à partir de son nom complet, hein, qui dans mon cas était facultatif. Je précise que pour ceux qui sont sous macOS ou Linux, hein, il y en a peut-être aussi parmi vous qui le sont, si vous avez l'habitude de vous déplacer dans la console, la commande pwd, Print Working Directory, vous affiche également le chemin d'accès jusqu'au dossier dans lequel vous vous trouvez. Mais je laisse cette remarque qui ne concerne pas la plupart d'entre vous. Alors, je reviens à ma ligne 12, la ligne ici. F égale open, nom du fichier, hein, nom complet ou nom relatif du fichier. Voilà une instruction que j'aurais pu compléter par un deuxième paramètre qui est facultatif, mode égale R. Le mode d'ouverture d'un fichier indique si je vais l'ouvrir en lecture ou en écriture, et par ailleurs, ça indique si le fichier est un fichier binaire ou non. De manière par défaut. Par défaut, si je ne mets rien, c'est ouverture en lecture d'un fichier texte. Si je voulais écrire un fichier, si je voulais écrire un fichier texte, je mettrais la lettre W pour write, écrire. Et si je veux travailler sur des fichiers binaires, ce qui ne vous concernera dans la pratique pas, en tout cas pour le moment, je peux ajouter une lettre B, aussi bien après le R, read binary, qu'après la lettre W. Write binary pour travailler en mode binaire. Le fait que Python sache que vous allez travailler en mode texte va essentiellement vous offrir des méthodes supplémentaires extrêmement confortables, hein, pour manipuler ce type de fichier. Donc voilà, là je peux écrire ça, mais encore une fois, ça n'était pas obligatoire que j'écrive la suite ici. Bien, le fichier, alors l'ouverture du fichier est une opération qui, vous le voyez, teste l'existence du fichier, mais c'est tout. C'est tout. Ça n'a pas de coût, ni en termes de mémoire, ni en termes de vitesse, quelle que soit la taille de votre fichier. C'est une opération en grand taux de 1, parce que le fichier n'est pas lu. Hein. Il est simplement, encore une fois, on accède à ce fichier, et on met le système d'exploitation dans un certain état, hein, en demandant donc l'ouverture de ce fichier, mais c'est tout. Donc à ce stade-là, rien n'a été lu. Encore une fois, même si le fichier est très 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 gros, rien ne s'est passé. Alors ensuite, le plus intéressant dans le cours, c'est maintenant, c'est comment est-ce qu'on va manipuler les données. Alors, le fait que j'ai demandé l'ouverture en mode texte me permet différentes choses. Comme par exemple, je peux assez facilement lire les différentes lignes. Un fichier en mode texte est un fichier qui est logiquement compris comme une succession de lignes. Donc,
je peux, par exemple, sans le moindre problème, profiter de la souplesse du langage Python, qui est un langage, donc, vous le savez bien, de haut niveau, pour récupérer, pardon, j'écris n'importe quoi, pour récupérer toutes les lignes sous la forme d'une liste, par exemple, et puis je peux imprimer cette liste. Hein, donc, vous voyez, alors évidemment, évidemment, il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Bon, on va peut-être pas passer tout en revue parce que je ne sais pas combien il y a de lignes dans ce fichier, mais vous voyez que chaque ligne, hein, donc, est suivie par une virgule ici, et donc nous reconnaissons la structure d'une liste, qui d'ailleurs est également marquée par le caractère de crochet à la fin. Hein. J'ai manifestement une liste. Je peux d'ailleurs imprimer la taille de cette liste. Ça me donnera le nombre de lignes de cette liste. Il y en avait, bon, ça allait, il n'y en avait que 61 ici, hein, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai une liste. Attention, vous remarquez bien, si vous regardez la dernière ligne, que, bon, je ne vais pas prendre la dernière parce que là elle se termine en fin de ligne, c'est pas très agréable, mais je vais prendre celle-ci. Vous voyez que j'ai une ligne qui est ici, elle fait à peu près, dans mon terminal, elle fait à peu près 3 lignes et demie. Elle commence par ce caractère, donc bien sûr, c'est une apostrophe, c'est un marqueur de chaîne de caractères. Vous voyez que j'ai mes données telles que vous les aviez vues tout à l'heure. Alors, je peux d'ailleurs afficher à nouveau le. Regardez, je me situe ici, 3 lignes avant la fin. Hein, donc, nous sommes ici sur, je pense, cette ligne-là que je surligne. Vous voyez qu'elle apparaît également ici, hein, 800, 81, 408. 81, 408, suivi donc d'une date, en fait c'est une date et d'une heure, etc. Donc j'ai bien la liste de toutes mes lignes. Vous voyez qu'elles sont enregistrées dans un format texte. C'est normal, c'est un format texte, on l'a dit, la lecture, le fichier est un fichier texte. Et bien évidemment, Python n'a pas la moindre idée de la nature des données que comporte ce fichier texte. Donc tout ce qu'il fait, c'est que de manière bête, de manière bête et méchante, il va recopier simplement tous les caractères de cette ligne. Vous remarquez au passage qu'il a ajouté, alors non pas deux, mais un caractère. N'oubliez pas que le backslash a un rôle particulier dans les chaînes de caractères. Vous voyez qu'il y a à la fin de chaque ligne, si vous remarquez bien, c'est le cas à la fin de chaque ligne, vous remarquez qu'il y a le caractère backslash n. C'est un unique caractère, hein, backslash n. Alors vous allez me dire, mais où est-il? On ne le voit pas ici. Où est-ce qu'il est? Ben, si, en fait, on ne le voit pas, mais il est réellement présent. C'est le caractère qui va séparer ce point-virgule-là de ce 8. En fait, c'est un retour à la ligne. Bien évidemment, mon éditeur de texte, à chaque fois qu'il voit ce backslash n, revient à la ligne. Donc, il ne le fait pas apparaître ici, mais le caractère est bien dans le fichier. La méthode readLines que je viens d'utiliser en Python, mais de manière générale, la lecture ligne par ligne en Python conserve l'intégralité des caractères présents dans le fichier. Il est donc normal que le backslash n figure. Il figure ici, à la fin, hein, donc de chaque ligne. Bon, il va falloir gérer ça parce que ça peut être source de problème. Hein. Si on oublie l'existence de ce caractère, ça peut être embêtant. Mais je ne vais pas commencer par ça. Je reviens à la méthode que j'ai utilisée pour lire les lignes du fichier. Ce que j'ai fait ici est à éviter, à mon avis. C'est à éviter parce que vous n'avez aucune idée de la taille du fichier que vous manipulez et il peut être long. Il n'est pas forcément très, très stratégique de lire un fichier en entier et de stocker dans la mémoire toutes ces informations dont la plus grande partie ne vous intéresse probablement pas. La très grande force du langage Python, c'est sa capacité à itérer sur toutes sortes d'objets. For i in range 10, vous connaissez bien cette ligne-là. Bon, l'une des plus grandes forces du langage Python, c'est très certainement la puissance de l'instruction for. Pour travailler sur un fichier, la méthode la plus élégante et la plus recommandée en Python consiste, sans surprise, à itérer sur les lignes d'un fichier. La lecture doit donc être une lecture ligne à ligne. Hein, c'est la meilleure. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Bon, déjà, vous pouvez le faire à la main. Vous pouvez toujours le faire à la main. Si vous écrivez L, je prends L pour ligne, hein,
L est égal à f.readLine au singulier cette fois. Hein, c'est au singulier, c'était readLines au pluriel. Là, c'est au singulier. Je vais lire une ligne de ce fichier. Elle apparaît ici, il n'y en a plus qu'une. Remarquez que si je recommence une deuxième fois, que contient L? L égale f.readLine, L égale f.readLine. Ça ne veut pas dire que j'écris deux fois la même chose. Enfin, oui, j'écris deux fois la même chose, mais la deuxième ligne ne va pas donner lieu au même résultat que la première. En effet, regardez, si je réexécute, vous voyez que cette fois, je suis passé à la deuxième ligne. Regardez. Tout à l'heure, j'avais affiché la première ligne. Maintenant, j'ai affiché la deuxième ligne. Elle apparaît ici. Pourquoi? Bon, tout simplement parce que la lecture d'un fichier est séquentielle. Elle ne revient jamais en arrière. On avance un petit peu sur le modèle d'une tête de lecture qui se déplace. Et à l'origine, les fichiers étaient effectivement des bandes magnétiques. Et on avait une tête de lecture qui se déplaçait. On allait toujours vers l'avant. Et donc, les fichiers se lisent toujours de cette manière-là, hein, de manière séquentielle, même s'il existe des techniques de bas niveau qui permettent un accès plus libre, mais plus délicat. C'est possible. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu la première ligne, puis j'ai lu la deuxième ligne. Au passage, j'ai effacé la première ligne, puisque j'ai utilisé la même variable dans les deux cas. J'aurais pu appeler ça L1 et L2. Vous devinez qu'il ne va pas être très très difficile d'intégrer ça à une boucle, par exemple, pour itérer sur chacune des lignes. Mais en fait, Python a la possibilité de directement écrire ceci. For L in F. Et là, bon, pour l'instant, j'écris pas parce que je ne sais pas encore ce que je vais écrire. Mais là, cette simple écriture me permet d'itérer sur chaque ligne L du fichier F. C'est ce qu'il y a de plus puissant. Regardez, si j'écris ceci, par exemple, je vais tout simplement... j'allais dire, je vais recopier le fichier. Probablement non, regardez. Je recopie le fichier, mais en sautant une ligne à chaque fois. Alors, pourquoi? Ça s'explique par le fait que chaque ligne comporte déjà un caractère de retour chariot à la fin, on l'avait vu tout à l'heure, mais que l'instruction Python print elle-même force le retour à la ligne après l'affichage de son objet. Ce qui explique qu'en fait, chaque ligne soit suivie ici de deux retours chariots. Un qui est d'origine, si j'ose dire, et un qui vient de Python. Peu importe. Vous voyez en tout cas que j'ai parcouru la totalité du fichier dans une boucle. Et donc là, c'est extrêmement puissant. À chaque tour de ma boucle, à chaque itération, la variable L va comporter la ligne qui est en train d'être lue par le programme. C'est la méthode la plus recommandée pour travailler sur les fichiers en Python. Alors, rapidement, comment travaille-t-on de manière usuelle sur un fichier CSV? Alors, de la manière suivante. La première chose à faire, c'est en général de supprimer le caractère fin de ligne qui est toujours source de problème si vous l'oubliez. Donc la manière la plus simple, bon, évidemment vous pourriez toujours écrire L2 est égal à L crochet 2.-1. Vous savez que ça, cette ligne va recopier le contenu de L qui s'appelle L, mais en fait c'est pas une liste, hein, c'est une chaîne de caractères. Ça va recopier la chaîne de caractères à l'exception de son dernier caractère. Oui, bon, dans la pratique, ça marchera bien. Parce que je pars du principe qu'il n'y a qu'un seul retour chariot. Hein, la méthode readLine va effectivement vérifier cela. Cela dit, vous avez des méthodes de manipulation des chaînes de caractères qui sont extrêmement commodes, comme par exemple AirStrip. AirStrip a la particularité d'effacer à droite, un R veut dire right, à droite d'une chaîne de caractères, tous les caractères d'un type donné. Si par hasard il y avait plusieurs retours chariots, alors ça ne pourrait pas arriver vu la logique du readline ici, mais si par hasard vous aviez plusieurs retours chariots, ça les effacerait tous. Ça veut dire quoi? AirStrip, ça veut dire efface tous les caractères, donc ici retour chariot, en partant à droite, jusqu'à ce qu'on rencontre autre chose. C'est très très utile pour effacer des espaces surnuméraires. Hein. Il arrive fréquemment dans les données saisies par des êtres humains qu'il y ait des espaces en trop. Si j'écris AirStrip,
Ça retirera les espaces s'il y en a. S'il n'y en a pas, ça ne provoquera pas d'erreur. Et s'il y en a plusieurs, ça les retirera tous. Mais ça ne retirera pas les espaces qui sont en plein milieu de la chaîne de caractères. Ça retirera juste ceux qui sont à droite. Ça partira donc de la droite et ça les effacera jusqu'à rencontrer un caractère de nature différente. Vous avez une méthode symétrique qui est L-strip pour effacer à gauche. Et vous avez même la méthode générale strip qui efface à gauche et à droite. Là, vous avez une formulation extrêmement élégante pour effacer les espaces venus d'une manipulation humaine à gauche et à droite d'une chaîne de caractères sans toucher à ceux qui sont en plein milieu. Bon, en général, pour effacer le retour chariot, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de ce type. L2 égale L.R-strip en backslash N. Et puis, donc là, là, si je fais print L2, vous allez voir que je vais recopier le fichier, mais cette fois, les lignes ne vont pas être espacées, puisque désormais, je ne mets plus qu'un seul retour chariot grâce à mon print. Hein, le print va ajouter un retour chariot, mais je n'ai plus celui qui se trouvait dans le fichier. Bon, ensuite, les données CSV étant des données séparées par un délimiteur, l'usage est de tronçonner les chaînes de caractères, chaque ligne, au niveau de ce délimiteur. Ce que vous pouvez faire avec quelque chose du type split. Split, la méthode split appliquée à une chaîne de caractères retourne. Non pas, alors, c'est ça qui est un petit peu embêtant, c'est que on risque de croire qu'on est dans des données homogènes, ça n'est pas le cas. Je bascule ici sur une liste. Donc je vais changer de nom de variable pour que ce soit bien clair. Data égale L2.split, point virgule, va prendre la chaîne de caractères L2, la tronçonner au niveau des points virgules et me retourner la liste, vous en doutez, la liste des sous-chaînes de caractères ainsi obtenues. Alors, sans le point virgule. Ça commence à prendre forme, hein, vous le voyez. Il n'y a qu'une seule chose qui est embêtante, on l'a oublié tout à l'heure, c'est que regardez, si je remonte, j'espère que je vais y arriver sans trop de. Voilà, si je remonte, vous voyez que mes données sont des données généralement numériques, mais vous vous souvenez que la première ligne de mon fichier ne comporte pas de données numériques. Donc, ça, c'est utile pour un être humain, ou c'est utile si vous aurez le fichier avec un tableur, mais pour un programme en Python, cette ligne est très peu utile. Vous allez donc, en général, faire quelque chose de ce genre. Précédez votre boucle. Pardon. Précédez votre boucle d'une ligne de ce type. Si j'écris, bon là, je prends une variable jetable. Donc variable jetable est égale à f.readline. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire une ligne. Cette ligne, c'est quoi? C'est la première ligne. Je vais lire la première ligne et ensuite je passe à la suite du programme. Donc ça, c'est assez fréquent de voir ce type de code. J'ouvre le nom du fichier, je lis la première, mais surtout pour la mettre à la poubelle finalement, et ensuite je lance la boucle. Donc voilà quelque chose d'assez typique. Et puis après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux manipuler les données, mais attention, vous voyez que ces données numériques, elles sont numériques si vous voulez, mais par contre, vous voyez qu'elles sont encore codées sous la forme de chaînes de caractères. Bon, comment faire? Il y a beaucoup de données manquantes ici. Si j'essayais de tout convertir, je risquerais d'avoir des erreurs. Comment est-ce qu'on peut faire les choses proprement? On peut peut-être. Bon, on peut peut-être faire quelque chose de ce genre. Hein, je vais mettre bon, data 2. Je peux par exemple faire ceci, regardez. For x in data. Pour chaque ligne que je vais rencontrer, je peux la parcourir et je peux faire data 2. Je vais mettre if x est égal à mq, c'est-à-dire manquant. On peut ajouter none, par exemple, hein, data 2. Append none else data2.append float de x. Et puis après, je peux afficher data2. Est-ce que ça va marcher? J'espère qu'il n'y a plus aucune autre donnée textuelle. Si il en reste une, alors à quel endroit est-ce qu'il a pu il a dû y avoir une donnée alors. Je vais essayer rapidement de repérer d'où vient l'erreur.
Qu'est-ce que ça fait cette erreur-là? Ah, je vais faire ça ici. Alors, il y a des données, il y a le symbole MQ, mais le symbole MQ est un symbole que je pensais avoir géré. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre que je n'ai pas repéré? Je ne vois que des nombres pourtant ici. Je vais afficher data 2 pour voir un petit peu mieux. Ah oui, je m'étais trompé, c'était en fait data 2 ici. Voilà. Non, c'était bien data. Et ce que je voulais, c'était quoi alors? C'était. Ah voilà, ah, désolé, je me suis trompé depuis tout à l'heure. Alors, quel est le problème? Il y a. Ah, je pense que c'est ça. Voilà. Il y a effectivement, comme dernière chaîne de caractères, une chaîne de caractères vide. Donc, que pouvons-nous faire? On peut faire ceci. Alors, si je rencontre la valeur MQ ou une chaîne de caractères vide, je vais mettre none. Sinon, cette fois, ça a bien marché. Je corrige donc. Voilà, donc là, print, data 2. Voilà, désolé pour ce petit contretemps. Voilà maintenant mon fichier qui a été lu, et chaque ligne a été affichée. Elle a été affichée désormais, vous le voyez, sous la forme d'une liste de valeurs qui sont clairement des valeurs numériques. Nous ne voyons plus aucun chaîne, plus aucun délimiteur, hein, apostrophe ou guillemet. Et vous voyez que les valeurs manquantes ont été remplacées par none, qui est la valeur donc, typique hein, en Python. C'est parfaitement adapté à ce genre d'usage. Donc voilà, hein, voilà. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a bien accéder à toutes les données de manière séquentielle. Alors on pourrait par exemple calculer la température moyenne. Alors ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que c'est sur toute la France, donc il y a des stations météorologiques qui ne sont pas les mêmes, mais nous pouvons quand même le faire. Je vais regarder quel est l'indice de la colonne qui contient la température. Alors, donc numéro de la station, date. Ça, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas non plus ce que c'est que tout ça. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me semble que la huitième colonne comporte la température. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, si je ne dis pas de bêtises, ce sera la colonne d'indice 7. Donc, nous pouvons écrire quelque chose de ce genre. T est égal à data de 7. Je modifie le code. Voilà. J'ai ici la température. Alors, nous allons calculer la moyenne. Comment calcule-t-on une moyenne? C'est une somme et il faut un nombre de données. Alors, on peut faire ceci. If t est égal à mq, je pense que là, ça suffira. Que faisons-nous? On va plutôt faire comme ceci. Si t est différent de mq, s plus égal float de t et n plus égale 1. À la fin de ma boucle, j'affiche moyenne est égal à s sur n. Ce sera en degrés Kelvin, par contre, j'ai oublié de faire, là, on pourra corriger après. La température, j'exécute. Voilà, température 281,23 pour le 31 mars, donc pour hier. Ça me semble bas, parce que si je ne dis pas de bêtises, la température en Kelvin, c'est un décalage de 273,25, hein, il me semble. Je vérifie quand même pour ne pas vous dire de bêtises, mais je crois bien que c'est 273,15. Alors, j'ai bien fait de vérifier. Donc, nous allons corriger ceci à cet endroit-là, par exemple. 273,15 et j'aurai ici ma température en degrés. Il a fait 8,1 en moyenne. Alors attention, en moyenne, ça inclut toutes les heures de la journée, hein, toutes les 3 heures, donc ça inclut la nuit aussi sur tous les points de la France. Mais ici, je pense que c'est pas complet parce que ça m'étonne qu'il n'y ait que 61 lignes. Hein. J'ai du mal à télécharger le fichier et tout faire. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout combien de temps dure cette vidéo.
Je vais. Je pense que là, j'ai dit l'essentiel. Je vais interrompre cette vidéo ici, je pense. Et puis, si je me rends compte que j'ai oublié quelque chose, je pourrais la compléter ultérieurement ou surtout répondre aux questions qui se posent. Mais bon, voilà, hein, je crois qu'en fait, il n'y a pas eu tant de choses qui ont été dites que cela dans le cours. Hein, c'était surtout la manipulation. Donc, nom du fichier. Généralement, il est préférable de connaître son chemin complet pour éviter les erreurs. Une ouverture. Commencez déjà par. Ah oui, j'ai pas parlé de l'écriture. Bon, ça sera pour une autre fois. Tiens. Commencez donc déjà par l'écriture, pas par l'ouverture en mode lecture, pardon. Lecture donc de fichier texte. Pensez généralement à jeter la première ligne si vous manipulez de manière informatique un fichier CSV qui comporte une ligne d'en-tête. Ensuite, il est préférable de ne pas lire toutes les lignes en bloc, mais plutôt de procéder de manière séquentielle, itérative, en lisant chaque ligne une par une à l'aide d'une boucle. C'est vraiment la force du langage Python ici. Vous pensez à faire du nettoyage de la ligne à chaque fois, c'est-à-dire d'abord donc de retirer le retour chariot. Si vos données ne sont pas absolument homogènes, vous pensez à retirer tous les espaces qui peuvent traîner aussi, en général à gauche et à droite, hein, ça arrive. Vous pouvez ensuite passer au tronçonnage, hein, de la chaîne de caractères avec la méthode split. Et ensuite, vous manipulez vos données. Mais vous n'oubliez pas que si ce sont des données numériques, il faut en général les convertir, puisque elles vont être lues comme des données textuelles. Hein. Ce sera des chaînes de caractères. Il est impératif de faire cette conversion. Là, c'est à vous d'être très précautionneux. Si jamais, pour une raison ou une autre, vous avez autre chose que des nombres au moment de la conversion, vous aurez une erreur. Donc, il faut être sûr de votre fichier. Il faut vérifier que, encore une fois, hein, dans les données de Météo France, il y a la chaîne de caractères MQ lorsque la donnée est manquante. Mais bon, si vous êtes sûr de vous, vous convertissez soit en entier, soit en flottant votre donnée. Et là, vous pouvez maintenant faire ce que vous voulez. Mais je le rappelle, si vous avez la possibilité de ne pas stocker toutes les valeurs, mais plutôt de les traiter à la volée, de les traiter au fur et à mesure que vous parcourez chaque ligne, c'est plus élégant. Mais bon, pour certains projets, bien sûr, vous aurez besoin effectivement de récupérer toutes vos données sous la forme d'une liste. Bon, je vais m'arrêter ici. Si j'ai oublié des choses significatives, vous me posez des questions et j'y répondrai. Mais je pense qu'on a fait le tour ici de la question. Sauf l'écriture. On n'a pas parlé de l'écriture, mais qui vous concerne pour l'instant quand même beaucoup moins. Bien, je vous remercie à tous et vous souhaite un bon courage, hein, pour cette période de confinement.